Je vous dis à nouveau bonjour. Nous nous sommes séparés tout à l'heure alors que je faisais mon footing dans les bois, dans le plus grand respect des règles de confinement en vigueur en ce moment. Je suis désormais de retour chez moi et disposé à poursuivre l'échange que nous avions démarré. Mais avant toute chose, je souhaite vous dire ceci en cette période très particulière liée à l'épidémie du coronavirus. Prenez absolument soin de vous et prenez soin de vos proches. Pour pouvoir aborder le sujet du jour, à savoir où va l'argent en période de crise. Permettez-moi, avant de pousser ce sujet très loin, de m'attarder un petit moment sur l'expression crise et d'analyser quelques crises que nous avons connues dans notre histoire. La première chose que je peux dire, si on se permet d'analyser l'expression crise, c'est ceci. Si vous aviez fait quelques recherches il y a de cela quelques mois, dans les différents moteurs de recherche que nous avons sur Internet, si vous tapiez l'expression crise, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'on vous proposait à la suite du mot crise, l'expression des expressions telles que financière, économique. Donc ça, c'est des expressions qui accompagnaient beaucoup le mot crise. Il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, je me doute que si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapiez crise, il y a fort à parier que l'on va vous suggérer l'expression sanitaire, car nous sommes effectivement en période de crise sanitaire et je pense que voilà, il y a pas mal de recherches sur les différents moteurs concernant cette expression. Ok, pour ce qui est de l'analyse des grandes crises que nous avons connues dans l'histoire, n'ayez pas peur, je ne peux pas toutes les faire et je pense qu'on n'aurait pas assez de temps de parcourir toutes les crises que nous avons connues dans l'histoire de l'humanité. Je propose que l'on s'attarde sur deux crises financières que le monde a connues. La première d'entre elles est certainement la plus célèbre. J'entends par là la Grande Dépression. Vous en avez certainement entendu parler. La Grande Dépression des années 1930. C'est une crise économique qui a eu comme pour point de départ le crash boursier aux États-Unis en 1929. Elle a eu un impact énorme dans le monde. On a vu notamment pas mal d'entreprises fermées. Et à la même occasion, on a eu des milliers, des millions de personnes se retrouver sans emploi, dans la rue, sans logement, n'ayant même pas de quoi se nourrir. Cette crise a eu des impacts tellement énormes que dans certains pays, des gouvernements ont été renversés. Elle a même conduit, d'après certains historiens et spécialistes économiques, à la Seconde Guerre mondiale que nous avons connue. C'est vous dire que cette crise a eu un impact énorme dans la vie du monde. La deuxième crise que je souhaite que l'on analyse est plus récente, car celle dont j'ai parlé, la Grande Dépression, lorsqu'elle a eu lieu, je n'étais pas né et je me doute que pas mal de personnes qui suivent les différentes publications que je mets en ligne sur mes plateformes également n'étaient pas nées. Mais celle que je m'en vais aborder est plus proche de nous. Et là, il y a fort à parier que vous en avez entendu parler. Qui se rappelle de la fameuse crise des subprimes? Vous voyez, cette crise qui a eu comme point de départ les prêts hypothécaires. Vous voyez que des familles ont eu à souscrire aux États-Unis et qu'au bout d'un temps, ces familles n'étaient plus en capacité de rembourser ces prêts, les subprimes. C'est une expression qui a fait pas mal de bruit. On en a entendu parler. On a vu notamment toutes ces familles qui se sont vues reprendre leur maison. Comme je le disais précédemment, elles ne pouvaient plus rembourser les crédits qu'elles avaient souscrits. Du coup, ben les banques ont récupéré les maisons, leurs biens, et les ont revendus à des prix très, 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 très abordables. Donc, c'était la fameuse crise des subprimes qui, elle aussi, une fois de plus, a jeté du monde dans la rue, a mis des familles entières dans des situations plus que précaires. OK? Pourquoi je fais un peu d'histoire de ces deux crises? Tout cela pour vous dire que c'est des situations extrêmement tristes que le monde a connues, qui ont impacté pas mal de monde. Mais il y a une autre réalité à côté de ces crises économiques, financières, et j'ai même envie de dire des crises humaines que le monde a connues. C'est qu'à côté de ça, il y a des gens qui se sont enrichis. Oui, durant cette période où on avait l'impression d'après certaines personnes, qu'il n'y avait plus d'argent, ben non, l'argent a continué à circuler. Oui,
L'argent n'a pas disparu durant ces grandes crises que le monde a connues. Ok, certains ont eu moins d'argent dans leur poche, certains ont vu leur business s'effondrer, mais à côté de cela, je vous assure, il y a des gens qui ont gagné pas mal d'argent. Je ne vais pas faire ici des analyses ou des retours de moralité, donc je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. Le fait que certains se soient enrichis en ce moment, c'est vraiment un constat, une analyse à froid que je fais. Donc, beaucoup de gens se sont enrichis durant cette période. Ok, gens en période de crise. Première chose importante, vous l'avez compris au travers de l'analyse des crises que je viens de faire, c'est que l'argent ne disparaît pas. Non, l'argent ne disparaît pas du tout. Certains disent que l'argent change uniquement de main. Moi, j'ai même envie de dire ceci, en période de crise, l'argent peut changer de main. Ou encore mieux, l'argent peut changer de circuit. Je m'explique. Quand je dis que l'argent peut changer de main, qu'est-ce que j'entends par là? On va par exemple dire que vous avez investi dans un magasin de fleurs. Vous êtes fleuriste, par exemple. Vous avez mis toutes vos économies dans votre magasin. Vous avez une structure qui vend des fleurs. Nous sommes en période de crise sanitaire. Vous serez d'accord avec moi que durant cette phase, il y a très peu de gens qui vont acheter des fleurs, qui se rendent aujourd'hui chez leur fleuriste acheter des fleurs. Il y a même fort à parier que si vous êtes fleuriste, vous avez dû fermer en ce moment. Parce que pas mal de gouvernements ont voté des lois de confinement. Du coup, elles ont décidé de fermer pas mal de structures non essentielles à la vie des pays. Donc, on a dans ce lot, je pense qu'il y a pas mal de gens qui... On a des restaurants, on a eu des cinémas, on a eu pas mal de structures qui se sont vues fermées. Ok? Donc, si vous avez par exemple un magasin de fleurs, il y a fort à parier qu'en ce moment, même si vous réalisez de grosses ventes, en ce moment, votre chiffre d'affaires est en baisse. Vous gagnez moins d'argent ou vous ne gagnez plus du tout d'argent. Du coup, effectivement, si vous n'aviez investi qu'uniquement dans votre magasin de fleurs, eh bien, vous ne voyez plus la couleur de l'argent en ce moment. Okay? L'argent a changé de main. C'est là où je peux parler en affirmatif en disant l'argent a changé de main. Vous ne voyez plus la couleur de l'argent. Bon, on va se situer dans une deuxième position. Vous êtes toujours la même personne qui a investi dans un magasin de fleurs. OK? Et qu'en parallèle, vous avez investi dans de l'alimentaire, dans une structure qui vend des produits alimentaires. Ben, ce qui va se passer, c'est quoi? Ben, l'argent peut changer de main tout en affluant davantage sur un nouveau circuit. Je m'explique. Vous n'allez plus gagner suffisamment d'argent avec votre business des fleurs. Mais comme en parallèle, vous avez investi dans un magasin qui vend de l'alimentaire, vous allez continuer à gagner de l'argent via ce business. Donc peu, c'est pour ça que je dis peu. Là, sur le coup, bon, l'argent est toujours dans vos mains. Il a juste changé de circuit. C'est pour cela que je parlais de circuit. Et même là, je mets un bémol sur le fait qu'il ait changé de circuit. Parce qu'il faut se l'avouer avant que l'on connaisse cette crise, les gens s'alimentaient déjà. Ce qu'on peut dire sur le coup, c'est que l'argent afflue davantage, ces temps-ci en tout cas, l'argent a afflué davantage sur des chemins, sur des circuits alimentaires. Okay? Donc, on a eu plus de flux d'argent pour toutes les personnes qui gèrent des structures alimentaires. Il y a eu beaucoup plus d'argent. Donc, du coup, dans votre cas, l'argent n'a pas changé de main. L'argent est toujours dans vos mains, sauf que l'argent a changé de circuit. Il afflue davantage sur le circuit de l'alimentaire. Je peux même dire dans l'affirmation maintenant que l'argent peut même complètement changer de circuit. Parce que ce qu'on observe en période de crise, c'est que c'est une phase durant laquelle de nouveaux business peuvent voir le jour. Oui, en période de crise, de nouvelles activités peuvent voir le jour. Des gens peuvent mettre en place des logiciels de formation. Là, on est en phase de confinement, donc les gens ont besoin de s'occuper, les gens ont besoin de s'éduquer autrement que par des moyens classiques. Donc, vous pouvez trouver une idée ingénieuse durant cette phase qui s'adapterait à la période que l'on connaît. Et du coup, un circuit qui était hier négligé
un business hier qui n'était pas porteur peut se retrouver rapidement porteur, peut se créer, parce que déjà c'est la première chose, il y a des business qui peuvent se créer en temps de crise. Et du coup, en créant un business, on crée également un nouveau circuit via lequel l'argent va désormais affluer. Donc c'est ça. Certaines entreprises vont même très loin. Elles s'adaptent. C'est vraiment la preuve qu'on est en période de crise. Je pense notamment à la structure LVMH. Vous ne l'avez peut-être pas lu. Je ne sais pas si vous connaissez LVMH. Pour ceux qui ne savent pas, LVMH, c'est le numéro 1 mondial dans l'industrie du luxe. Vous avez souvent entendu parler de Louis Vuitton. Vous voyez, les fameux sacs et tout ça, Louis Vuitton. Eh bien, c'est LVMH qui gère toute cette industrie du luxe. Ils sont numéro 1 mondial dans le secteur. J'ai vu récemment, en suivant le journal télévisé, qu'ils s'étaient mis dans la production des gels hydroalcooliques. Ces fameux gels qui nous permettent de nous désinfecter les mains. Parce qu'il y a un manque actuellement, une rupture de ces gels dans les différentes structures qui sont censées les commercialiser. Donc, ces derniers ont compris le truc. Ils se sont reconvertis. Enfin, ils n'ont pas abandonné leur business model. Je pense qu'une fois que la crise sera passée, ils vont se remettre dans le luxe, puisque c'est ça leur fer de lance. Mais en attendant, nous sommes en période de crise, ils se sont mis à la production des gels hydroalcooliques. Bon, pour la petite histoire, je tiens à le rappeler, le reportage disait qu'ils allaient le mettre gratuitement à la disposition des différentes structures sanitaires. Ok. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une belle preuve d'adaptation. Il faut dire qu'ils avaient déjà les matières premières. Il fallait certainement qu'ils procèdent à quelques réglages pour pouvoir produire ce type de liquide. Mais au final, ils y sont parvenus. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Il faut se dire que les trois quarts des structures qui vendent les produits de luxe aussi connaissent la crise. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui vont dans les magasins acheter des sacs Louis Vuitton. Et j'ai envie de dire que les trois quarts des structures qui vendent ce type de produits aujourd'hui sont fermées. Ok, donc ça aussi, c'est la preuve qu'en période de crise, les sociétés, les hommes, le monde dans lequel nous vivons s'adapte à la crise. Mais durant cette phase, il y a plusieurs comportements qu'on peut observer. Et pour ce qui est de l'argent, une chose est claire, l'argent ne disparaît pas. L'argent est bien là. Il peut changer de main ou il peut changer de circuit, mais il demeure là. Ok? En fonction effectivement du type d'arbitrage que vous avez fait par le passé ou que vous êtes capable de faire en ce moment, l'argent va soit continuer à affluer dans vos mains, dans votre vie, soit il va en griffe disparaître de vos mains, mais pas disparaître du monde. Ok? Alors, ça c'était notre sujet du jour. Dans les prochains jours, je vais aller plus loin. Je vais vous parler des business qui résistent le mieux à la crise que nous traversons actuellement. Je vous invite à rester connecté sur cette plateforme. Vous allez tout savoir sur les business qui tiennent le mieux, qui résistent le mieux à la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vais une fois de plus vous inciter à prendre soin de vous et à prendre soin de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas, cœur d'entrepreneur, entretenez-le. Allez, ciao les amis.